Salut tout le monde, c'est un petit, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Garry's Mod, voilà. Et donc on va commencer ça tout de suite, on se retrouve sur du Deathrun. Donc voilà, on est sur Garry's Mod, c'est le serveur Rage Deathrun, voilà. C'est un des serveurs les plus populaires en français, du coup let's go. Ah d'accord, je suis un hunter. Ah bah d'accord, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué Mr. Panda. Ok bah rip, rest in peace quoi. Du gaspillage de piégé. Je m'appelle Edwin Baguette Croissant. Il te French, ferme. Speak French. Croissant, croissant, baguette, baguette. Speak French, my friend. Ok, ah, nice. On a buté Ghost. Je pense que je vais le laisser activer le piège. Ah non, il y en a plusieurs, d'accord. Ou un qui. Ou un Et j'ai ma paix. Ah, c'est un mini-jeu. Hey, oh. D'accord, c'est quoi ce mini-jeu? J'ai déjà terminé. D'accord, pas l'impression d'avoir gagné ni rien du tout, mais bon. D'accord, là on est en tant que runner. Donc ce qu'on doit faire, c'est éviter les pièges et arriver à la fin au mini-jeu et battre les hunters. Bon, vous allez pas passer 32 ans sur cette planche. Je m'appelle. Oui, donc. La mort stupide. Mort par une planche en 2020. C'est vraiment super. Galette des rois. Ça veut dire, je pense que ça fait des dégâts. Ou soit ça avait tourné. Non, je pense que ça fait des dégâts parce que s'ils avaient juste tourné un peu. S'ils avaient tourné, ça fait juste tourner quoi. Il y a un moment où il arrête de tourner ce machin. Ça arrête jamais. Je m'appelle le Big Bang. Ça arrête jamais, mec. Waouh. J'ai évité la mort à 1 mm. Waouh. J'ai activé, ça. Oui, donc ça, c'est déjà activé. Ouais, d'accord. Ça ici, c'est déjà activé, les têtes. Avec moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment le gars il est mort en atterrissant dans un bureau? C'est où la logique? Le gars il atterrit dans un bureau et après il meurt. Waouh, quelle magnifique mort. Oh les gars, vous savez quoi? Je l'ai fait dans le chat point d'exclamation ghost et donc cette commande nous permet de rejouer le parcours. Mais on peut pas mourir en fait cette fois, c'est juste pour le fun quoi. Et on nous voit pas non plus. Et c'est ce bureau qui m'a tué. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un bureau me tue? Mais non, mais c'est quoi ça? Attendez. Ah oui, d'accord. Puis sur V pour remonter, voilà. De toute façon, c'est terminé. D'accord. Donc, maintenant, let's go. C'est parti. Donc, voilà. Alors, comme ça, c'est quand je passe qu'on l'active. C'est comme ça. Bon, moi, je vais faire Ghost. Parce que j'ai envie de faire Ghost. D'accord. Donc, j'y vais. Let's go. On esquive tous les pièges. Hop là. Non, vraiment. Hop là. Voilà. Vas-y, j'esquive tout. Et boum. Et bam, bili bim. Et Jean-Michel réussit tout. Allez, il saute au-dessus. Il cheat. Voilà. Donc, c'est bon, il a réussi. Après, il passe au-dessus de la fenêtre. Il va à l'échelle. Il y va. Il passe les antennes et tout. Attention, va-t-il gagner le match? Ou serait-ce la Croatie qui va gagner? Attention, mystère, la France vs la Croatie qui va gagner. Oh, c'est la France qui met le but. D'accord, bon, ça c'est un petit labyrinthe, t'es tranquille, on peut y aller. Voilà, comme ça. Bon, labyrinthe, voilà quoi. Oh, serait-ce un secret? Donc maintenant, on va ici. La game est terminée, encore une fois. Et cette fois, je suis le hunter. Let's go. On va déglinguer des runners. Donc, maintenant, on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait un runner qui arrive. Et on va le déglinguer. Et ouais, mon gars. Ce piège, ça doit être les barils. Les barils explosifs, ça fait pas du tout mal. Parce que ça fait pas du tout mal. Franchement, ça fait zéro dégâts. C'est super, c'est un super piège. Non, je rigole. C'est tout l'inverse, hein, les gars. Les barils explosifs, ça explose. Pourquoi je le sais pas ce... De toute façon, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Et comme ça, je vais en déglinguer deux. Allez, passez que je vous déglingue. Allez-y, Jean-Michel. D'accord, il a explosé. Il a pas de chance, franchement, parce que j'ai laissé tous les autres passer sous lui. C'est ce qu'ils me font aussi. Moi aussi, c'est pareil. Il est où le prochain runner? Allez, viens. Il a sauté, il est mort. D'accord les gars, allez, on va faire en sorte que la France gagne, ok?
Je suis pas très doué pour le faire, mais je vais essayer. Comme dirait Einstein, chaque début a un grand potentiel. J'ai jamais dit ça. Et c'est totalement faux, en fait. Parce que je suis mort. Bon, comment dire, le bunny hop, il est pas très utile. Enfin, si, mais si tu sautes comme ça, et après tu sautes comme ça, comment dire? T'as beaucoup plus de chances de mourir que de réussir. On va faire slash ghost, comme ça, let's go. On va essayer de faire le bunny hop en mode tranquille, pour un peu s'entraîner et tout, sans jaillir sur l'info. Si j'étais passé là, franchement, ça serait magnifique. C'est déjà fini. Mais je suis déjà un hunter. C'est rapide hein, quand même. Vous savez quoi? Moi je vais aller au piège ici. À ce piège là. Ou bah ce piège. Vous le savez quoi? C'est ça. On va encore le refaire. Pour buter des mecs. Ou un mec. Let's go. À ce gars le passer en faisant le bunny up. Et bah. Tu vas réussir parce que je vais totalement rater. Rip le skill de Namsi 2019-2020. Franchement, un an, c'était très très long. Donc ça c'est quoi? Ah oui, c'est la vitre qui se pète. Bon, j'ai laissé une ou deux personnes passer. Comme ça, ils croiront que je suis un gars un peu chelou qui n'active pas les pièges. Et du coup, ils vont passer en mode tranquille. Sauf que non, je vais activer le piège. Ça n'a pas trop marché. Pourquoi tous mes pièges, ils fail? Ça doit être un truc d'antenne. Je sais pas. What? What is that? Mais vraiment, what is that? Bon, j'ai laissé une personne passer, au pire. Ah ok, c'est juste des lasers émis par les antennes. Ils croient qu'ils sont en sécurité, sauf que non. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça marche pas? Non mais c'est pas possible. C'est incroyable, c'est inacceptable, d'accord. Allez, le nuage de fumée qui emporte Déat Macron, voilà, Déat Macron est mort par un nuage de fumée. Ou de une nuage de fumée. D'accord, bon bah on a réussi. Maintenant, en tant que runner, on va faire le bunny up et cette fois on va le réussir, croyez-moi les amis. On va le réussir, allez, tout l'espoir du monde entier repose sur nous. Attention, va-t-on le réussir? 3, 2, ça sert à rien le bunny up ici en fait, du moins pas pour l'instant. Donc, on va encore sauter. On va attendre que quelqu'un se sacrifie pour nous parce que franchement, on est des flemmards. YOLO! Et je suis sûr que comme par hasard, quand le Mexicain va y passer, parce que oui, je suis Mexicain, comme vous le savez, voilà. J'ai un chapeau Mexicain et tout, du coup, voilà. Ah d'ailleurs, on va faire un RTD. Les RTD, en fait, ça nous permet de... soit on a un bonus, soit on a un malus. En gros, par exemple, là, on a un malus, c'est... on est bourré pendant 15 secondes. En gros, on voit flou comme ça pendant 15 secondes. Il faut exprès. Regardez, on va voir ça. Ah non, en fait, non, c'est bon. J'ai rien dit, finalement. Mais ça, c'est impossible. Mais comment ils le font? En fait, on pouvait sprinter. J'avais même pas remarqué. Mais même quand je sprint, ça marche pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi quand je sprint, ça marche pas? Attendez, on va essayer. Quand je sprint en ghost. Enfin, pas avec ce mode, ne vous inquiétez pas. Mais quand je sprint. Quand je sprint, là j'y arrive comme par hasard. Comme par hasard, j'y arrive en ghost. Parce qu'en fait, j'ai aucun malus et j'ai aucun bonus. Ce qui ne veut rien dire en langage français. Et ouais, mon gars. Bon bah voilà quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont dans une box fight ou comment ça se passe? Je sais pas. Oh. Waouh. Des melons. Elle n'a pas réussi à résister au désir meurtrier des melons. Désir meurtrier des melons. Non mais pour de vrai, ils avaient vraiment des désirs meurtriers, on est d'accord. D'accord, ici il y a des petits nuages. Ah, c'est les nuages qui faisaient spawn les melons, d'accord. Méchant petit nuage. D'accord, ici il y a un petit hélicoptère. Mais qu'est-ce qu'il fait l'hélicoptère? C'est un piège aussi, on va voir. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais le Death Run il est long. Ah ouais, quand même. Map by Kni. D'accord, Kni. Ok. La map a été créée par Kni. Bah ça c'est cool. Immersed. Je ne sais pas ça. Bon bah oui. Oh, il y a Naruto devant nous. Ah non, c'est Kakashi. C'est Kakashi ou c'est Naruto? Oh, c'est Kakashi. Je suis sûr que c'est Kakashi. Parce que ne ressemble pas trop à Naruto, hein. Parce que les cheveux, ils sont blancs, ouais. Ouais, c'est ce que je veux dire, quoi. Attendez, on va aussi faire un RTD. RTD. Et la vision retournée pendant 5 secondes. C'est le pire truc, ça. Regardez. Quand je bouge la souris à droite, ça la bouge à gauche. Et quand je la bouge en haut, ça la bouge en bas. Par contre, déjà, là, j'ai peur. Ils font exprès d'être... Vous l'avez dit, Stéphane Knoos, je me souviendrai de ton nom. Je vais te balancer à la police, d'accord? Tu m'entends? Vous savez quoi? Ouais, bon bah là c'est une vote map. Une vote map c'est pour voter pour une map.
Quelle super définition. Oh, c'est un peu ça quoi. Il y a pas trop à expliquer. Bah, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vais quand même voter pour. Le gars qui n'a pas. Donc là, il y a le petit logo Pac-Man, comme vous pouvez le voir. Pac-Man qui s'enjaille et qui se retourne à droite. Et ouais, mon gars.